Madame la commissaire, vous avez récemment déclaré s'agissant d'un mur anti-migrants aux frontières de l'Union. Je ne suis pas contre, mais quant à savoir si on devrait utiliser les fonds européens pour financer la construction de clôtures à la place d'autres choses tout aussi importantes, c'est une autre question. Qu'une membre de la Commission européenne dise qu'elle ne voit dans la construction d'un mur à nos frontières qu'un simple problème comptable est choquant. Madame la commissaire Johansson, la diplomatie a ses limites. Dans le contexte actuel, la rhétorique que vous employez à ce moment-là a une portée fondamentale. Vous ne pouvez condamner l'instrumentalisation par le président biélorusse des exilés tout en fermant les yeux sur l'instrumentalisation de la situation par les adeptes de la militarisation et du refoulement aux frontières. Ils exigeront toujours plus de sécurité, toujours moins de droits. Vous devez condamner fermement et tout de suite la longue liste des erreurs, des horreurs qui se déroulent à nos frontières et engager sans tarder des procédures en infraction envers les pays incriminés, sinon nous sombrerons plus profondément encore dans l'infamie. Commissaire Johansson, votre rôle, celui de la Commission, est bien d'être un rempart contre celles et ceux qui vomissent leur haine et veulent faire croire que l'autre est un danger en le refoulant de manière abjecte. Ne leur abandonnez Dziękuję pas un bardzo, panie pośle. centimètre de nos principes Bardzo et de nos valeurs. dziękuję.